On va donc se décortiquer ensemble les prix des vidéos, format par format. Évidemment, ça dépend du style de vidéo, il n'y a pas de réponse toute faite. Qu'on sorte une petite vidéo face cam, genre Combini, ou le bon gros film de marque qui claque, c'est pas le même prix. Numéro 1, la vidéo corporate. On commence par la vidéo de présentation d'entreprise. Là, on est vraiment sur la vitrine de votre boîte. Donc, on va soigner le fond, on va soigner la forme. Et forcément, il faut mettre un petit budget. Il y a deux formats, en vérité, pour cette vidéo. Soit on fait le format un peu classique, avec un mélange d'interviews et de jolies images d'illustration prises dans les locaux. Soit vraiment, on sort le gros film de marque avec beaucoup de tournage, une voix off puissante, etc. Potentiellement de la création musicale. Bref, on a deux chiffrages. Pour la formule classique, on va dire, on va généralement se trouver entre 3 et 6 000 euros, et puis pour le gros film de marque, on est plus autour de 15-20 000 euros. Numéro 2, le témoignage client. C'est un format ultra efficace et plutôt simple à tourner en fait, parce qu'on a besoin que d'une demi-journée de tournage chez le client, donc on est généralement autour de 2000-2500 euros. Numéro 3, la vidéo expertise. La vidéo expertise, c'est justement ce genre de vidéo où on va parler de notre expertise. C'est de la petite vidéo face cam pour LinkedIn, on est généralement autour de 700 000 euros. Pas 700 000 euros, 700 à 1000 euros. 700 000 euros, ça ferait beaucoup. Numéro 4, le motion design. Celui-là, il est hyper dur à chiffrer. La fourchette est large de fou. Parce qu'en fonction de la durée de la vidéo et de la technique d'animation utilisée, vraiment, les chiffrages n'ont rien à voir. Pour vous donner un ordre d'idée, on est généralement entre 2000 à 8000 euros. Mais ça peut même être plus que ça. Ou moins. Généralement, c'est entre les deux. Numéro 5, le spot produit. Alors, c'est très propre à l'agence, mais pour le coup, nous, on aime beaucoup tourner ce genre de format un petit peu en série. Donc, généralement, on va avoir un spot long, des petits spots courts, on va faire quelques photos, etc. Ce qui permet d'avoir tout un package qui est utilisable derrière en ads, etc. Donc, nous, généralement, on va se tourner entre 5 à 10 000 euros en fonction du nombre de déclinaisons et du type de produit. Numéro 6, le portrait collaborateur. C'est comme le témoignage client, c'est plutôt simple à tourner en une demi-journée de tournage, c'est claqué. Donc, on est entre 2000 à 2500 euros la vidéo. Numéro 7, le spot de recrutement. On va dire que c'est la version commerciale du portrait collaborateur qu'on vient de voir, où on va juste se concentrer sur des belles images et un message fort. Et donc, soit on a déjà tourné un portrait collaborateur et on va juste en décliner cette vidéo-là, auquel cas on va être autour de 500 à 1000 euros, soit on fait uniquement un spot de recrutement, et là on est plutôt autour de 2000-2500 euros. Numéro 8, l'after movie. L'after movie, c'est le film souvenir d'événement, c'est toujours cool pour communiquer a posteriori, et là, une fois de plus, on est encore à 2000-2500 euros. Numéro 9, le snack content. Généralement, on est sur une petite vidéo très courte en motion design pour faire passer un message. On vend ça la plupart du temps dans des packs. À l'unité, on est autour de 500 à 1000 euros la vidéo. Numéro 10, la vidéo drone. Donc là, si on parle d'une vidéo juste 100% tournée au drone et pas une vidéo classique auquel on a rajouté du drone, on est généralement autour de 2500 à 3000 euros la vidéo. Pour terminer, il faut préciser que ce sont des tarifs d'agence et pas des tarifs de freelance. Forcément, si vous bossez avec un freelance, ce sera moins cher, mais c'est pas la même prestation non plus. Et surtout, tous les tarifs qui ont été donnés sont des tarifs à l'unité. Très souvent, nous, on vend des packs de vidéos avec plusieurs vidéos dedans, et on arrive très souvent à faire des économies d'échelle, justement, et on arrive la plupart du temps à gratter du 20-30%, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Moi, je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Restez authentiques.